Donc bonjour, je m'appelle Louis Collomb. Pendant plusieurs années, donc, j'ai participé à l'histoire et du groupement pour le développement du carnaval, donc, qu'on peut dire qui a créé ce carnaval moderne d'aujourd'hui. Ensuite, je suis revenu avec mes activités professionnelles à un engagement plus professionnel. Donc je suis devenu secrétaire, puis président du syndicat des transitaires de ma profession, où je suis membre de droit du conseil d'administration. Et cette entrée dans le monde professionnel et dans le monde de la représentation professionnelle m'a amené à occuper d'autres fonctions, vice-président du conseil économique et social, membre de certaines communautés, la communauté portuaire, et être président d'une ou deux associations qui gèrent la communauté portuaire. Et tout ça m'amène, et il y a 2 ans, j'ai repris la présidence de l'Office du Carnaval. Et ce qui fait que j'ai une espèce de grand écart permanent entre responsable patronal, membre influent ou important du MEDEF, Guadeloupe, et en même temps président de l'Office du Carnaval. Alors, je ne sais pas encore comment je me suis pas encore écrasé, mais c'est un grand écart.